Est-ce qu'on se peut? Bonjour, mon nom est Lucas Kiskoyash. Et j'aimerais en prêter votre attention pour quelques minutes. Alors, le nom de famille Kiskoyash, il provient de mon père, son père avant lui. Ensemble, nos racines proviennent du nord de l'Ontario. Nous sommes la nation Ojibwe qui est toujours vivante aujourd'hui. Et avec cela, je voudrais vous offrir un petit message qui est que nous tenons à prendre un moment pour souligner que nous nous trouvons sur le territoire non cédé de la nation algonquine, Anishinaabe, présente en ces lieux depuis des temps immémoraux. Les Algonquins sont les gardiens et défenseurs traditionnels au bassin hydrographique de la rivière des Outaouais, qui comprend aussi les affluents et leur longue histoire, et doit être honorée. En honneur des Premières Nations et de leur culture toujours présente aujourd'hui, je voudrais chanter une chanson que j'ai écrite. Elle raconte la vie de mon grand-père, Frank Kiskoyash, et elle raconte sa vie, où est-ce qu'il a vécu les traumatismes, mais il était quand même un survivant des pensionnaires autochtones. Merci beaucoup. Garçon innocent, ils m'ont pris quand j'avais que 8 ans. Ils m'ont mis dans une école d'enfer. Pourtant, ils disaient travaillait pour le bon père. Ils m'ont brisé à chaque jour. Mon cœur en 1000 morceaux, mes larmes étaient lourdes. Je croyais que mon esprit était mort, car je ne reverrai plus ma culture encore. Thank you.
culture. Francine Demers, historienne professionnelle du Collège Saint-Alexandre. Fut un temps, les chaises sur lesquelles vous vous asseyez en ce moment, ce n'étaient pas des chaises, mais plutôt des bancs d'une paroisse. C'était assez simple de retrouver son chemin dans l'école. Il y avait uniquement le bâtiment principal, entouré de champs et de forêts. C'était une époque totalement différente. C'est important que vous compreniez ça. Plus tôt cette année, je faisais des recherches dans les archives du collège et je suis tombée sur un tract assez curieux, qui datait de 1964. Un petit dépliant écrit à la main où on invitait les élèves à venir assister à une soirée clandestine la nuit au collège. Bien sûr, j'ai cherché à comprendre tout ça. Qu'est-ce que ça voulait dire, une soirée clandestine? J'ai fouillé et j'ai découvert qu'au collège, dans les années 60, les pères supérieurs ont commencé à appliquer une politique de restriction artistique. On n'encourageait plus les élèves à faire de la musique, de l'écriture ni des arts. On soulignait, et je cite, le caractère frivole de ces activités. C'est dans ce climat-là que, peu à peu, les élèves ont commencé à se réunir clandestinement la nuit pour partager leur passion, créer et refaire le monde. C'était l'apparition des premières soirées clandestines. On les appelait les soirées d'Alex. Je m'appelle Eugène, et moi ce qui me fait vraiment vibrer dans la vie, là, c'est le rock, la musique forte. Pour vous mettre les choses en perspective, là, j'ai jamais été trop un voyou. Quand j'en prends 2 piastres pour allumer une bougie à la cathédrale, là, je rembourse le lendemain. Je fais tous mes devoirs de catéchèse, je fais toutes mes tâches de fonctionnaire, je passe tous mes cours, bon, peut-être pas, là. Ok, c'est pas pour la culture, là, mais les cours de légumes, racines, arithmétique, écoute, c'est pas fait pour tout le monde. Bref, quand j'ai entendu dire que je pourrais peut-être craquer aux soirées d'Alex. J'ai tout de suite sauté sur l'occasion. Moi, c'est Michel, et j'ai toujours été boycott. Un vrai petit bumeux qui aimait transgresser les règles établies, comme disait le bon vieux père révérend. Si les règles établies nous empêchent de mettre des pétards dans les bonnes lettres de nos camarades, mais moi, j'appelle pas ça des règles. J'appelle ça une dictature. Donc, si tu me dis que l'or, la danse et la musique, c'est interdit, ben, regarde-moi bien, ma triste et du Verlaine comme Paul. Moi, j'ai jamais été à cette école-là. En fait, Eugène était mon ami d'enfance. Moi, je suis même plus scolarisée. Ben, pas depuis que j'ai pitché l'encéphale de mouton sur un autre élève. Non, mais tu sais, niaise-moi qui va mourir parce qu'il y a un petit coup de cortex sur l'épaule. Tout le monde à mon ancienne école me connaissait pour mes mouvements de danse légendaires. J'étais major, le seul et l'unique. Major, the one and only. On m'a dit que je peut-être danser sur les clandestines. Je vais être bien honnête avec vous, là. Moi, je me suis fait embarquer dans ce plan-là complètement contre mon gré. Moi, dans le fond, je suis la même major. Je suis pas sûre d'avoir tout compris dans cette histoire-là, là. Tu sais, c'était pas moi le cerveau d'opération, là. Ben, je dis ça, mais laisse-moi qu'il y avait un loup avec un cerveau dans cette histoire-là, là. Non, mais pour vrai, se rendre dans une école que je connais même pas, dans une soirée qu'on connaît même pas, avec du monde qu'on connaît même pas. C'était quoi le gris, sérieux? En passant, moi c'est Françoise, fan de poésie classique. Je sais, là, j'ai pas l'air de dire, mais... qu'on a reçu pour participer aux soirées clandestines.
Il y en a tellement! Attends, mais c'est juste du papier journal. Ah non, 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 non. Ça, c'est ma nouvelle méthode pour crypter les données. Toutes les inscriptions sont cachées dans ces cellules. Vingt là, il y a 20 trop! Bon. J'ai aussi pris les flèches non cryptées. Bon, ici, j'ai Claire Haché, qui joue du piano depuis 7 ans. Elle jouerait « Je vole » avec un mélange de chant et de piano. Sa voix mélodieuse et purée nous transporterait sur un nuage lorsqu'elle chante. Est-ce que ça vous tente? Ouais! Hey, that's cool. Les chers parents, je pars. Je vous aime, mais je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumer. Soucieuse, troublée, ma mère, comme si elle le sentait. En fait, elle se doutait, entendait. J'ai dit que j'étais bien, tout à fait l'air serein. Elle a fait comme de rien, et mon père démuni a souri. Ils ont déjà participé à 4 de ces soirées.
ce sont de vrais vétérans. En plus, ça fait déjà plus de 10 ans qu'ils jouent du piano et qu'ils ont gagné plein de prix. Damn. Ça a l'air quand même assez fiable. Mais ça m'a aussi fait réaliser que moi j'en parlais de moins en moins, puis
que me tentait d'écouter la petite voix douce dans mon oreille. Mais même si c'est difficile, c'est ça que je chante en ce moment. Même si je chante les rumeurs lourdes de ceux qui comprennent pas, puis paroles à moitié désolées, puis malaisées qui me seront dirigées tantôt, puis même si je chante les rumeurs de ceux qui m'évitent, qui savent trop bien de quoi je parle, c'est toujours cela qui me résonne le plus. C'est important d'en parler. Et là, là, ça fait des candidats à vérifier. Bon, un plus. Roselyne Gauthier et Taliane Galipeau. Des anecdotes ensemble. Du hip-hop. Basé sur un tip-hop game de faire ça. Dernière année. Dernière chance. Oui, ça va être incroyable. Acceptez. Le plan est à terre, je crois que ça va vraiment faire. Tiens, car les gens m'ont pas c'est la pluie qui s'en va creuser. Le plan est à terre, je crois que ça va vraiment faire. Tiens, car les gens m'ont pas c'est la pluie qui s'en va creuser. Faut que je dans le bistro, ça en cas faut bien que ça me serve. Faut que je chope, en tout, comme ça faut pas sans stress. Faut que je chope, oh oui. Si c'est nécessaire, faut que je la chope. Elle est bonne sa mère, je suis seule. Faut que je la chope, je pose. De partir ton chauffage aussitôt dans l'année. Ben non, là. Destin n'est pas parti.
On vient juste d'aller des murs et d'aller. C'est pas ça. Je me disais ici. Moi aussi, hein. En vrai, en tout cas, ça marche. Nous, on chauffe encore au bois, puis me dire que c'est pas pratique. Bon, ben, tu finis par les chauffeurs. On n'est pas dans un meeting de génie du film, là. Faut trouver un moyen d'entrer dans le collège demain après 23h. Justement, j'ai le plan parfait. Jen. C'est quoi ça? C'est mon petit chapeau secret. Retourne-moi! Premièrement, on passe à un sous-sol. Non, ça c'est hors de question. Franchement, Michel, tu le sais qu'il y a des catacombes au dessus du collège qui ont envie de tomber face à face avec un vieux prêtre mort. Par les têtes de locaux d'or. Ben oui, Indiana Jones, c'est au quatrième étage, là. Par les côtés d'aération? Ok, on va se calmer un peu, là. J'aimerais vous rappeler que j'ai de la misère au but test. Ben, il y a toujours des cuisines à la cave. Hé! J'avais pas que t'étais Jerry Jamais que les membres de la cave. Bon, là, écoutons-moi, moi, je pète une coche. Premièrement, on passe par ici. Ensuite, par là. Car ça va vraiment falloir fermer mon gueule. Le père qui va rayer une tête sur le diable va quand même passer par sa chambre. C'est un plan, ça? Oui, on est là. Voyons voir. You Can Wine et Chelsea Pan en duo piano. La dernière fois que j'ai essayé avec un ami, ça n'a pas donné grand-chose. Apparemment, eux, ça fait plusieurs fois qu'ils en font. Ils joueraient Cosmos Hit. On va faire un pile face. Si c'est pile, c'est accepté. Si c'est face, c'est pas refusé. Accepté! Thank you.
votre tour de vous laisser parler d'amour. Non, Victor Denoncourt. Il fait slam depuis 3 ans, puis il... Ah, désolé. Bonjour, cher public, j'espère que ça va bien. Avant de commencer mon slam, j'aurais un service à vous demander. D'habitude, avant un slam, ici en Outaouais, on lève le poing en l'air et on crie 1, 2, 3, parle pour encourager le slammer dans son slam. Est-ce que ça vous tenterait de faire ça pour moi, s'il vous plaît? Quand vous êtes prêts? 1, 2, 3, À l'école, les cases sont beige. Les classes aussi, d'ailleurs. J'ai passé mon secondaire 1 et 2 à me demander qu'est-ce qui se passait dans la tête des dégratteurs d'intérieur qui parfois portaient le chapeau de directeur. Je me demandais pourquoi les gymnases étaient en béton, pourquoi la bibliothèque, elle, était faite de papier, pourquoi les classes teintées de graffiti à la main de crayon se pavanaient si salement et fièrement venu le temps de leçon. Jusqu'au temps où on est un flash, un bing-bang intérieur, un eureka des plus stridents perçant mes tympans et mes méninges pour atterrir à mes yeux et les faire pétiller. Une classe, c'est beige de l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est le paradis fou d'un corner run qui serait mêlé à la frénésie de Pollock. Parce que vous devez vous en douter, un porteur de ballon, un porteur de crayon, un porteur de leçons, un porteur de chansons, c'est 1000 fois mieux que le catalogue entier du Benjamin Moore. Ce sont des milliers de petits Picasso à lèvres qui remplissent ce mur blanc de fresques à leur image, à la hauteur de leur créativité, le temps d'une période. C'est du sillon qui ne cesse de scinder le vide dès qu'une main se lève. C'est du jaune pétant qui éclabousse les murs le temps d'une présentation orale. Et c'est du vert forêt qui émane pendant les périodes de lecture. C'est un arc-en-ciel au complet qui sillonne les couloirs de la cour de récréation jusqu'au bal des finissants. Du coin lecture de la cloche jusqu'à l'auditorium de l'université. Le ministère, il met des quotas d'élèves à ses classes. Oui, et puis une chance d'ailleurs, parce que pauvre professeur, une classe de 50, c'est bien de la couleur. Il met aussi des cursus à ses enseignants. Puis là, vous allez me dire que, ben oui, c'est certain, mais un cursus, c'est pas un GPS, c'est une destination. Une année scolaire, c'est un 10 mois en pleine mer avec son agenda bien à lui. Bon matin, cher matelot, apprenti. Aujourd'hui, au menu, dictée et tsunami. Fiez-vous à moi pour vous amener à mon port, mais pour ça, vous allez devoir ramer. Certains apprennent à nager et d'autres à couler. Passons d'une classe à une autre, d'une vague à une autre, d'un laboratoire de sciences vers le local de musique en passant par la cafétéria. D'ailleurs, une cafétéria, c'est comme un théâtre en 360, où les tirades se font rares, mais où les sticomissies et les dialogues se font assez courants. Je le concède, on est loin du Rodrigue petit cœur de Corneille, mais plus proche, vous le pensez. Effectivement, les Rodrigo à Saint-Pierre se font assez courants. Je vous l'accorde aussi, les téléromans de 19h sont très intéressants, mais le compte du divertissement, ça se trouve pas sur le câble. C'est sur la presse à potin, écrite sur un petit bout de papier qui pourrait vous accrocher à l'intrigue ou décrocher votre mâchoire jusqu'à ce qu'elle touche le macadam. Le tout en décochant votre plus grande attention. Ça, c'est du grand journalisme. Puis pour ceux qui se demandent quel est l'intérêt pédagogique du ballon chasseur, je me pose la même question. Mais, vu sur un certain angle, le ballon chasseur, c'est comme un grand ballet canadien. Non, non, je vous le dis, cet hiver, lâcher Classe Noisette puis aller voir une partie. C'est comme un question-réponse dramatique, une valse en deux temps, lieu de grandes émotions. Est-ce une défaite mal avalée ou un ballon d'en face? Telle est la question. Une fois la cloche chaînée, les grands bataillons retournent à la maison à coups de débuchons flambants. Puis avec du recul, c'est à ce moment-là que les cases sont vaches. C'est quand l'école s'est dégarnie de tous ses étudiants. Silencieux et perdu leur rire qui tachait les murs de vert écossais, de bleu dauphin, de rouge caliente en fer capoté, Salvador Dali. Que les silences étouffent les murs et oxydent leurs couleurs jusqu'à ce qu'ils redeviennent blancs, que le plâtre oublie tous les secrets que les écoliers ont glissés. C'est quand l'école est vide. C'est à ce moment-là que les gaz sont réellement beige. Plus quelques dossiers à faire. M31, est-ce que c'est un fusil? Mais non, mon cher Jacob.
M31 est donc ce nom que nous donnons actuellement à la galaxie d'Andromède, la galaxie spirale la plus près de chez nous. Et maintenant, accueillez, cher public, les grands, les uniques, les magnifiques M31. À toi. Arrête, tu m'arrêtes.
du guépard et la perdition du dragon de Komodo. Ok, là, Michel, tu vas prendre deux grands respirs et calmer les nerfs. On n'est pas en train de faire visiter le zoo de Krabbe à deux enfants. On est en train d'infiltrer une soirée secrète. Ouais, on peut juste t'entendre pendant une seconde. Là 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 là. Hey, les problèmes avec la gestion de la colère sont plus que je pensais, là, là, là. Ça va bien aller, on va bien s'en sortir. Pensée positive. Répète après moi, OK? Ah, que la neige a neigé. Ah. C'est fini la séance de coaching positif, là? Moi, ça me met dans tous les états, les élèves qui s'inventent des problèmes pour skipper la cour dans le bureau de l'animateur socio-pastoral. Mes problèmes de colère, c'est des vrais problèmes, Sophie! On n'en doute pas une seconde! Bon, là, on va arrêter cette chimie. On a une opération à faire. Selon le plan, on est rendu à l'étape. Trop gros! Ah, ça, ça ne fait pas partie de mon plan, ça! Oh non! Ça y est, je peux dire adieu à la carrière. T'as cru faire des trucs normaux, ma vie est finie, ma vie! La police, laissez-nous! J'ai rien fait! Tirez pas! Tirez pas! Oui! Là, vous arrivez! Ciao, oui! Je prête le secret. C'est quoi manger cette barre de courant, ma gueule? Je voulais écouter ça, mais il ferme les mains, c'est tard, il est 23h. 23h? Ça veut dire qu'on t'en retard, ça, là. Mon bon plan? Ah oh non! Bon, tant pis. Maintenant, c'est chacun pour vous. Essayez de pas mourir. Et si vous vous faites prendre, ça va être un honneur de se faire rire à vos côtés. Mais voyons. Mais voyons. Les mains, ils dansent. Quelqu'un connaît François Lemire? Ouais, c'est le petit chouchou du prof d'enseignement catholique. Il va nous dénoncer, c'est certain. J'aime ça, moi, le catéchèse. On peut vraiment pas lui faire confiance. La rumeur dit que c'est un gaucher. Oh! Oh my god! Dommage, son numéro de danse lassive est exubérante. Elle avait l'air vraiment pas pire. Regardez ici, il y a une certaine Anika au piano, puis une Samuel Alton qui l'accompagne en dansant. Said it was getting bad again when I started to do everything sitting down. And I think I understood it was getting bad again when a smile became more difficult to produce than a frown, when the room didn't light up whenever I was around, and when the tears came silently, not creating any sound. And I think I knew it was getting bad again when my own internal clock stopped ticking. When the itching for joy became my new favorite pastime, when a laugh with my friends cost much more than a dime, it was more like an act that I put on, with a grinning mouth that isn't even mine. When my pen felt too heavy to pick up and write, when the same damn haunted dreams played in my head throughout the entire night, so I rip out my hair, in hopes that I'll be able to see clearly, in hopes that those I love dearly will notice. The empty patches on my head express it to you. If I'm so important to you, then why am I so easily replaced? I think I knew it was getting bad again. When the fog came back, the crows flew away and the darkness started to attack. When a simple conversation became exhausting and I avoided all human contact. And when I began to wonder if I'll ever get my permanent smile back. Mm-hmm.
tout le temps, il fait quoi? De la claquette et du ballet classique. Ça sent vraiment suspect. Rejeté. Oh, j'ai quelque chose. Un certain Lucas Kisikoyash. Un chansonnier autodidacte, et pour sa première soirée d'Alex, il présenterait I Lost My Baby. Ça peut juste être excellent. Oui? Ouais, ouais. Ça rend du coup. Elle veut présenter la chanson I'm Still Standing.
Wow! Ce numéro a même un petit interlude de danse. C'est super, ça! Soirée clandestine, là, vous autres, là? Hein? Quoi? Soirée quoi?
secondes, monsieur l'ami, vous êtes quartier ennemi? Comment avez-vous entendu parler des soirées d'Alex? Ouais, c'est vrai ça. Attends, est-ce que tout le monde est au courant ou... Vous êtes vraiment... naïf. Suivez-moi. Comprends. Ok, le drame, pompe ça. Est-ce que
on voit le juge qui serait au large, un petit peu vers la fin de la scène. Oui, moi j'en vois un tableau. Oui, je les vois arriver à grands pas. Mesdames et messieurs, nous allons laisser la place au juge. Le second spectacle! Animateur et humoriste et ancien participant de secondaire en spectacle, c'est même un ancien du collège, accompagné de Sophia Duhaime, artiste en chanson et musique et ancienne participante de secondaire en spectacle, François Lemire, enseignant au collège et juge. Et finalement, messieurs, comme chef de jury, ni plus ni moins que Marie-Pierre Dalipo, professeur de chant. Sincèrement, je voulais simplement féliciter là, tous les participants. C'était vraiment un gros spectacle, donc on pourrait les applaudir encore une fois. Donc, avant de nommer les lauréats et le prix coup de cœur, j'aimerais simplement vous partager quelques informations, notamment les critères d'évaluation de secondaire en spectacle, qui sont très importants. Donc, premièrement, tous les numéros ont été notés sur l'originalité, le talent et la présence scénique. Puis aussi, quelque chose de très important, tous les numéros admissibles devaient respecter 85% du contenu francophone. Puis, c'est ça, ne devaient pas dépasser 7 minutes. Désolée. Je suis pas trop habituée de moi de parler devant le monde. Pardon? Moi, je suis plus habituée de chanter. Donc, j'aimerais aussi féliciter tous les élèves qui ont participé de près ou de loin à secondaire en spectacle. Que ce soit les artistes, les jeunes techniciens, les organisateurs, les journalistes, les animateurs et les maîtres de cérémonie. Donc, on peut encore les applaudir. Je trouve qu'ils méritent beaucoup. Puis, exactement, donc la finale régionale va se tenir du 4 au 6 avril prochain à la salle Jean-Després, à la Maison du Citoyen. Donc, on vous invite tous à venir voir la finale et voir les élèves qui ont participé et qui auront gagné des prix lauréats. Puis, donc maintenant, c'est le temps de nommer les deux gagnants, les deux lauréats et le prix coup de cœur qui, je vous rappelle, court la chance de pouvoir aller performer lors de la finale régionale dans la catégorie hors concours. Donc, les trois juges ici tiennent les certificats. Donc, est-ce que vous êtes excités de savoir qui a remporté? Donc, comme premier lauréat, Victor Denoncourt! Comme deuxième lauréat, le prix est remis à l'UPAC et Citoyens. Le prix est remis à Sophie Plouf.
soirée. Secondaire en spectacle, c'est une occasion parfaite pour les jeunes de s'exprimer et de montrer leur talent. Donc vraiment, chaque année, c'est un honneur pour moi de participer. Puis je crois que c'est en fait la même chose pour mes collègues ici, juges. Ça me fait toujours aussi plaisir. Puis vraiment, là, je suis impressionnée à chaque fois quand je viens ici là, du talent du Collège Saint-Alexandre. Belle soirée, puis encore félicitations à tous les participants. Vraiment, c'est une belle soirée. Et mesdames et messieurs, on a un dernier merci à faire. Et c'est à vous, cher public, que vous allez.